Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Mouchouya Antigone. On va voir la biographie de Jean Anouilh, la bibliographie de Jean Anouilh. On va voir le genre littéraire, la tragédie moderne. Donc, on aura trois points à étudier. La biographie de Jean Anouilh, la bibliographie de Jean Anouilh et la tragédie moderne. On va tout de suite commencer. Nous avons tout d'abord la tragédie moderne. Donc, la tragédie moderne. La tragédie moderne, c'est un genre théâtral. Qui met en scène des héros en lutte contre leur destin. La tragédie, qui est des héros abtal qui sont en lutte, qui en lutte avec leur destin, qui le destin et le sort. Donc la tragédie moderne se caractérise toujours par une fin triste et la mort des personnages. La tragédie, la fin triste. Ou est la fin triste? Qu'est-ce qu'on la mort des héros. Le mot c'est le chersiès, raïsie ou le dit l'abdal, le qu'est-ce. Donc la tragédie, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle est là, le mot. Une fois qu'on se met tragédie, qu'on fait un peu le qu'est-ce qu'elle dit, c'est le mot c'est dit l'abdal. La tragédie me fait le suspense, me fait le choix. Une fois qu'on crée le kitab tragédie, qu'on arrive à le nihayé dit le qu'est-ce qu'elle dit, ce qu'on le mot c'est dit le chersiès, raïsie. Mais c'est pas le drame ou les autres genres littéraires, l'équipe, qu'elle est choix, dit le chersiès, qu'elle dit t'y ou la rasmout ou la. Dans la tragédie, on connaît la fin, on est tranquille. On connaît déjà les événements et on connaît la fin. La tragédie, c'est un genre théâtral. Les filles, une lutte contre le destin. Et donc, les héros, qui se battent, les héros qui se battent, le destin. Le destin, comme on dit en arabe, le qadar. Le qadar. Et on a aussi le sort, les héros, le masir. Donc c'est très important, les mots clés, les mots importants, les personnes que nous savons, la lutte, le sort et le destin. Le qadar d'elle, le qadar des personnages. Donc je la tragédie moderne, c'est une pièce de théâtre, c'est une histoire qui finit toujours par la mort des héros, par la mort des personnages principaux. Donc les personnages, ils sont en lutte, une lutte constante contre leur destin. Tout de suite, on va voir la différence entre le drame et la tragédie. Radin Choufou d'Abel Farq. Bien drama ou tragédie, parce qu'elle mise. Donc le drame, on a plusieurs petits problèmes qui se suivent. Le drama qui connaît, on a besoin de les problèmes sérieux, متسالين, مشكل مورا مشكل. بحالش des problèmes. On a par exemple des accidents. Nous avons des divorces, طلاق, divorce, échec. شنو هي échec? Soukout ou l'échec qui peut être le travail, qui peut être un échec scolaire. Nous avons aussi des problèmes familiaux. Ça peut être des problèmes familiaux, des problèmes amicaux, toutes sortes de problèmes, faillite, iflesse, etc. Donc tous les problèmes que vous pouvez imaginer. Drama, nous avons un problème après l'autre. Mais la tragédie. La tragédie, il y a un seul problème. La qissa كلها دايره على مشكل واحد. ماشي بحال الدرام. Le drame, بحال المسلسلات الدراميه. كل حلقه عندنا 3 4 ديال المشاكل الجداد, le kidnapping, اختطاف, شي حاجه. هنا في لا تراجيدي عندنا حاجه واحده. Le héros ou les héros sont éprouvés face à leur destin. Donc, les héros, le mouchkil d'Yelhoum Kamel, c'est leur destin. La fin est toujours triste et nous avons la mort des personnages principaux. Dans le cas d'Yel Antigone, c'est tout simplement que Antigone veut enfreindre la loi de Créon. Le roi Créon. C'est que personne ne doit enterrer le corps de Polynice. C'est un homme qui a fait le corps de Polynice. Cadavre de Polynice, Antigone Chnoudares, elle a décidé d'enterrer le cadavre et donc comme ça elle a enfreint la loi de Créon. Sarqat avec le canon, ou est-ce que le mouchkil li waqa liha parce qu'elle sera condamnée à mort. Et wahed mahtaramch le canon leader Créon, il sera condamné à mort. Donc hada wa le farq bien le drame ou la tragédie. La scène très importante dans la pièce de théâtre qui a le cœur, vous connaissez le cœur, le prologue, le cœur, c'est la scène qui a la différence entre le drame et la tragédie en détail. Un résumé, mais dans la scène, c'est en détail. On va voir tout de suite
La deuxième partie ديالنا اليوم اللي غنقراو هي la biographie de Jean Anouilh. بعجالة on va voir que Jean Anouilh c'est un dramaturge, c'est un scénariste, مختص في le théâtre, c'est-à-dire qu'il écrit les pièces de théâtre بزاف. C'est un dramaturge et scénariste qui est né à Bordeaux. Donc Bordeaux c'est une ville qui est en France, mais il est mort à Lausanne. Lausanne c'est une ville qui est en Suisse. Il est né à Bordeaux en France et il est mort à Lausanne en Suisse. Il est né en 1910 et mort en 1987. Zed f Bordeaux, France, ou met f Lausanne, Suisse. Le genre bech kimtez houa le théâtre. Donc le genre l'ikix mtez, c'est les pièces de théâtre. On va voir un petit peu d'abord la bibliographie, c'est-à-dire chnou houma les œuvres l'ikix bnajan anoui mnrir Antigone. En doub zev djel les œuvres, ou l'ikin hna xarit likom tlaza. Vous avez l'Hermine, Le voyageur sans bagage, La sauvage, ok, Nahta, Colombe. Colombe, vous savez que Jean Anouilh a une double Smith à Colombe. Donc l'Hermine, Le voyageur sans bagage, La sauvage, Colombe et Antigone Hado parmi les œuvres de Jean Anouilh. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Donne la biographie, la bibliographie et les informations nécessaires, la distinction entre le drame et la tragédie moderne. J'espère que vous avez compris. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir plus de détails et analyser la pièce de théâtre. N'oubliez pas de vous abonner sur mon compte Instagram li ghadi nkhli lkom hnaya. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur la chaîne YouTube باش يوصلكم les vidéos جداد li kanhad. Je vous souhaite bon courage et restez motivés.